Et Marie-Michel, je pense qu'on vient de voir, juste en passant rapidement, on a vu le monsieur qui était le fraudeur, là. Mais il est en liberté conditionnelle, mais il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, il s'appelait M. Seguin. Oui. Alors, tout le long, parce que ça dure longtemps, ça, la caméra a pris pas mal de films là-dessus. Alors, à un moment donné, il dit, oh, on est... moi, je suis du Sud. Alors, moi, je disais, t'es comédienne, fais semblant que t'as pas peur. J'étais morte de peur. Et je me rends compte que je suis une personne très intérieure parce que ça n'a pas l'air d'apparaître. Non, apparaître vous semblez beaucoup. Très calme. J'étais morte de peur, puis je ne voulais pas faire une esclandre parce que je me disais, il est peut-être armé, cet homme-là. Alors, je me disais, sois cool. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une caméra dans les toilettes parce que je suis allée aux toilettes à un moment donné. Bien là, c'est parce qu'on n'a pas accès partout. Non, mais malheureusement. Et je suis allée aux toilettes juste pour me laver les mains, puis je me regardais dans le miroir, puis je disais, Marie, fais-toi sympa. Tout va bien, on est en sécurité, les policiers sont là, ils vont le prendre à la sortie. Prends ça cool, fais semblant de rien, puis essaie que, bon, que Monique se fasse pas. Ben oui, mais dans tout ce vous, c'était de défendre votre amie Monique. Ça vous inquiétait pas plus pour elle que pour vous? Mais ce qui m'inquiétait, c'est qu'elle était, je me disais, complètement naïve. Ben elle va lui faire un chèque. Mais après ça, je me suis dit, c'est pas grave, on l'arrêtera à la banque demain matin, un chèque. Ouais, on qu'elle fasse le chèque, qu'elle se débarrasse de lui, qu'il sorte, puis que les policiers l'attrapent. Et puis le chèque, bon, on pourra l'arrêter à un moment donné, mais j'étais morte de peur, vraiment morte de peur. Oui, mais en plus, c'était un gars qui était vicieux parce que c'était le même homme, évidemment, qui était dans la vidéo. Mais quand vous avez vu qu'il n'y avait pas le tatouage... Écoutez, moi, je suis le pire poisson au monde. Je n'ai même pas vu qu'il n'y avait pas de tatouage. Ah, non? J'étais tellement paniquée. Au début, je me suis dit, quand il va enlever son veston, à un moment donné, il va peut-être l'enlever ou je vais lui demander, puis je verrai s'il y a un tatouage. Mais plus la discussion s'en allait, plus je voyais... Vous avez oublié le tatouage. J'ai eu tellement peur, je pensais qu'il était vraiment dangereux, le M. Seguin, puis il faisait des farces sur le Sud et la chèvre de M. Seguin, puis alors... Oh oui! Oh oui! De quelle région? Oh, ça plaisait. Ben, vous voyez qu'il n'est pas dangereux, puis il n'y a rien de dangereux. Tout non, ça, il était excellent, d'ailleurs, le monsieur. Mais merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Michel. Bon sens du mot. Merci à Marie-Michel.